Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh là là mon dieu, si vous saviez, franchement je pensais pas avoir une map aussi folle de ma vie, aussi construite, aussi détaillée. Franchement aujourd'hui je vais vous montrer une map de qualité, franchement j'ai jamais vu aussi beau, c'est de toute beauté. Et surtout, le meilleur de tout ça, c'est que c'est vraiment réaliste. Bien sûr, le lien de la discussion, donc le lien de la map en question, vous pourrez voir dans la description. C'est impressionnant de voir ce que le mec a fait en plusieurs années, hein. Donc, bon, pour l'histoire, c'est une petite map qui a été construite par une personne. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que ça représente un peu certains états d'Amérique, hein, bien sûr. Et donc, du coup, avec des styles d'architecture de certains endroits, avec un petit aspect, on va dire, européen, un petit peu tout ça, un peu français, vous voyez, donc un truc intéressant. On a un peu les styles aussi asiatiques qu'on trouve généralement dans certains pays, surtout l'Amérique. Donc, on a beaucoup de quartiers américains avec des petits quartiers chinois, un peu asiatiques. Donc, du coup, on rentre, et bien sûr, c'est donc là, un peu feu d'artifice, les trucs un peu des pavillons un peu partout. Donc, du coup, c'est impressionnant de voir quand même les choses qui ont été construites sur cette map-là. Et donc, du coup, donc je vous invite à la télécharger. Bien sûr, j'ai mis Journée Map. Donc, du coup, on va pouvoir voir, ça m'a pris des heures aussi à charger l'entièreté de la map pour vous montrer la qualité de la map parce qu'elle est immense. Épernay, c'est rien du tout. Donc là, par contre, vous allez voir, là. Vous allez voir, c'est impressionnant. J'ai jamais vu une map aussi grande de ma part. Tellement détaillée. Franchement, Épernay, c'est bien, c'est beau. C'est, on va dire, c'est plutôt l'aspect... on va dire, Épernay, c'est plus l'aspect géographique. Alors que là, c'est l'aspect aussi build. Parce qu'il y a vraiment de la qualité, vous allez voir, de trucs de malade. Et on pourra aussi faire des petites modifications à apporter dans la map, surtout de l'éclairage public, quand le mode il sera terminé en question, parce qu'on a prévu des tas de choses. Ça, je vous dis pas plus. Je vais pas spoiler non plus. Donc, du coup, voilà. Donc, première partie, oui, j'étais dessus. Ah, oh, regardez, puis il fait beau. Hein. Oh, en plus, il veut vraiment fait beau. Donc là, du coup, là, bien sûr, un armure de pala, comme d'hab. Donc, du coup, c'est parti. Donc là, du coup, comme on le voit déjà sur la lentille, c'est assez petit. Donc là, je pense que c'est même déjà la map est 20 fois plus petite, mais ça m'étonnerait. Donc là, nous sommes dans un petit quartier des familles. Donc là, regardez, on a vraiment des choses intéressantes à voir. Bon, je vais pas non plus faire une visite comme, on va dire, Épernay le dernier coup. Mais là, franchement, vous allez voir, hein, je vous traverse la partie, là, je vous emmène directement à la partie principale. Franchement, il y a du matos, hein. Donc, vous voyez, il y a des petites voies ferrées. Donc, tout à l'heure, on ira se balader. Oui, on va se balader dans les voies ferrées. Donc, je vous expliquerai avant de prendre le train. Donc, voilà. Donc, on a vraiment des quartiers vraiment de qualité. Donc, là, normalement, il y a le quartier Piantong. Donc, là, il y a le quartier Bandour. Ah, là, normalement, il y a des feux d'artifice. Voilà. Voilà, feux d'artifice, quoi. De qualité, hein, on peut le voir, voilà. Donc, du coup, on va avancer. Donc, là, après, on a vraiment des endroits un peu style victorien. On a vraiment des endroits vraiment. C'est impressionnant ce qu'ils ont construit là-dedans. C'est un truc de malade, un truc de what the fuck. Donc, du coup, là, je vous montre un peu le style de build. Franchement, le mec, il a passé un temps fou quand même à faire tout ça. Donc, c'est vraiment là. Donc, il y a l'aspect vraiment. On va dire graphique, qui est impressionnant, parce que c'est tellement bien réalisé, c'est propre, c'est voilà, c'est construit. Bon, c'est pas comme Épernay, comme je vous disais, mais ça a un petit charme quand même. Hein. Non, là, donc il y a pareil, hein, les voies ferrées qui sont là. Donc après, voilà, on a la flotte qui va jusque là. Donc après, on a des architectures impressionnantes. Là, par exemple, on a un quartier qui fait un peu style italien, mais c'est impressionnant de voir quand même que c'est magnifique. Voilà, un petit peu le truc. Donc, il y a des petits quartiers tout sympatoches. Donc, je vais vous montrer après. Donc, là, donc c'est vraiment impressionnant. Les bâtiments magnifiques. Donc, du coup, là, je vais faire voilà, une petite église aussi, comme ça, de qualité. Ça fait vraiment penser à un style victorien, vraiment. Alors, je ne sais plus c'est quoi la quantité d'endroits qui a été utilisé.
Et voilà, donc là par exemple, on utilise cette église là. Vous voyez, regardez, c'est vraiment complet. Vous voyez, c'est voilà. Par contre, là, je ne savais pas que les creepers et les zombies faisaient partie de la galerie. C'est... Je savais pas. Bah alors, tu veux prier, mon doudou? Tu veux prier? Bah, t'es mort, mon enfant. Et toi aussi, tu veux prier? Hein? Vous êtes mort. T'es mort, mon enfant. Je sais pas pourquoi tu veux prier, en fait. Pour que tu ressurvives. Lol. Hop là. Donc là, bon, on a vu un petit peu le concept, un petit peu de la vidéo de qualité. Donc là, on va aller, bien sûr, se balader, on va dire, à la voie ferrée. Bon, franchement, ça va être une vidéo, je pense, un petit peu longue. Parce que la voie ferrée, elle est, bien sûr, immense. Vous allez quand même découvrir du matos. Donc là, je crois que la map, c'est ici. Ouais, c'est là. Non, bien sûr, quand même. Donc, j'ai pris mon petit wagonnet quand même parce que j'ai fait pas mal... de rétrofitage, parce qu'en fait, si vous voulez, le truc c'est que la map c'est bien, elle est belle, elle est propre, sauf que la map des fois elle a des petits défauts. En fait, il y a des trains qui sont construits sur les rails, donc du coup on est obligé de contourner le train pour pas se faire arrêter par le wagonnet. Donc du coup, ce qui fait, c'est que j'étais obligé de faire pas mal de travaux sur la voie ferrée pour justement, par exemple, il y a des endroits, c'était des cul-de-sac, donc du coup un petit demi-tour, des familles et tout ça, ça m'a pris du temps, plusieurs jours. Donc, de travail pour modifier, pour avoir un truc de qualité. Donc, on va pouvoir entrer. Et je vais vous montrer un petit peu. Bon, je pense que j'abaisserai le son de la, du truc parce que c'est hyper, hyper chiant la fin. Voilà. Donc, je pense qu'arrive un moment. Voilà. Donc, là, un petit peu, donc on voit la ville. Hein. C'est impressionnant. Voilà le truc. Voilà, donc là c'est pareil. Voilà. Donc là on voit très bien la ville. C'est vraiment bien construit en fait. C'est ça qui est bien parce que je pense que la prochaine gare on s'arrêtera et je mettrai mon casque. Parce que voilà, donc on voit la gare et tout ça. C'est magnifiquement bien. Voilà. Voilà, donc là voie ferrée. Voilà. Vous voyez, on a par exemple des endroits. Voilà. Donc là c'est vraiment impressionnant la quantité de trucs qui a été fait. C'est vraiment bien généré. Ah, un petit peu de bug. Voilà. C'est vraiment bien. Regardez, moi j'imagine un peu le truc. C'est construit de tous les côtés. Là. Voilà, donc là, par contre, j'ai des endroits. Ah oui, là, si je vais pouvoir m'arrêter. Normalement, oui. Normalement, non. Non, je peux pas m'arrêter. Voilà, donc on continue. Franchement, on a vraiment pas mal de trucs. Donc je garde mon ma touche Z à côté. Parce que voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Donc là, on a une petite montagne. On a la Maison Blanche en face. Donc là, c'est vraiment style américain. Hein. Voilà, donc... Non, c'est pas la Maison Blanche. Plus. Si, c'est la Maison Blanche parce qu'il y a le truc devant. Bon, là, donc là, paf, on a le petit tracé. Voilà. Ça s'arrête pas. Voilà. Donc un petit tunnel des familles. Je crois que là, cette gare-là, on va pouvoir s'arrêter. Et je vais pouvoir mettre un peu mon truc. J'espère que c'est là que je peux m'arrêter. Je pense pas. Non, je peux pas m'arrêter. Voilà, donc on passe un petit peu sur le côté. Voilà, c'est magnifiquement beau. De qualité. Voilà. Donc c'est impressionnant. Donc j'abaisserai quand même le son parce que je pense que ça va être hyper lourd à gérer. Voilà. Donc c'est impressionnant. Hop là, hop là, hop là. Ah d'accord, il y a le P qui s'allume. Là, donc là, on a un peu vraiment les gratte-ciels les plus fourbes du monde. Donc là, ah, on va pouvoir passer au premier échangeur que j'ai fait. Parce que sinon, vous allez voir quand même que le train, il allait justement vraiment un petit peu, voilà. Donc c'est impressionnant. Voilà, c'est construit vraiment du partout. C'est impressionnant. Allez, bon là, c'est un gars. Ah, voilà. Je vais pouvoir mettre un petit peu mon casque. Hein. Donc mon casque, il est où? Ah, mon casque. Je vais pouvoir utiliser ça parce que je vous garantis, je pense que les gens, ils vont voir mal au crâne à écouter moi et justement le truc. Donc, ça serait bien. Voilà. Franchement, je pense que vous êtes d'accord quand même que la map en question, elle est impressionnante. De voir en fait la qualité de cette map-là. Je pensais pas non plus faire ce truc-là, mais franchement, ça vaut le coup. Voilà, attendez, je configure le machin. Voilà.
Voilà, on va pouvoir reprendre de qualité, comme ça vous entendrez pas le bordel. Donc voilà. Donc là, nous reprenons. Donc là, là. On a fait une petite pause caca. Donc là, ah, c'est parti. Donc là, voilà. Donc on a fait un petit peu le tour. J'ai peut-être faire ça, là. Ce sera mieux. Voilà, donc là, du coup, on a, voilà, les immeubles qualité. C'est bon. Ah, tiens, la petite lune. Donc là, on a les ballons. On a vraiment. Je vous montrerai le ballon un peu plus tard. Donc là, on a déjà le premier petit dérivation que j'ai fait. Voilà, donc premier dérivation. Donc là, oui, sinon il y avait ça qui était dessus. Donc c'était un peu compliqué à passer dessus. Donc du coup, là, donc, on a vraiment la map. Donc bien sûr, le retour, j'irai pas besoin. Donc je ferai une petite accélérée, bien sûr. Hein. Donc là, c'est beau, c'est propre. Hein. Regardez, on voit la route. Hein. Regardez, c'est impressionnant. C'est vraiment de qualité. La map est. Ah voilà, encore une petite dé. Voilà. Donc on a pour la nouvelle gare. Donc là, une petite popose s'impose. Voilà. Voilà, et c'est parti. Voilà, donc là, hop, c'est reparti encore. Voilà. Voilà, j'ai fait en sorte que le truc, le train, normalement, s'arrête pas, à part certains gars. Voilà, donc on voit, regardez, c'est magnifiquement beau. C'est, regardez le bâtiment là-bas. C'est vraiment bon. Bon, là, c'est la flotte, on s'en fout. Donc là, vous imaginez un peu. Là, c'est Electrokovin, Electrosvit, Astrovier. C'est un petit peu du russe, donc je pense. Je sais plus c'est quoi comme style de quartier. Il y a vraiment pas mal de styles de quartiers différents. Donc du coup, ouais, je sais que là, ça n'a pas été fait. Donc là, par contre, ça, c'est une erreur de ma part. J'ai oublié de faire la redstone et puis les voies ferrées en redstone. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de trucs qui ont été faits en World Edit. Hein. De toute façon, vous verrez, il y a World Edit, MC Edit et puis d'autres logiciels qui ont été utilisés pour faire ces bâtiments-là. Mais franchement, le mec, il a eu les balls de faire toute une map entière comme ça. C'est impressionnant, c'est vraiment beau, hein, de voir le mec qui a fait ça. C'est de toute beauté. Hein. Donc là, regardez, il y a même des bâtiments qui sont encore en cours de construction. Donc là, donc, franchement, la map, elle est vraiment pas mal. Ah, le petit machin, sinon c'est le lot de boue et ça allait tomber. Donc un petit demi-tour des familles. Voilà, et donc là, je vais pouvoir faire une petite pause. Pas une petite pause, je vais faire un accéléré, ça sera mieux. Donc à tout de suite. Voilà. Donc du coup là, petit changement, pareil. La même figure. Si j'appuie pas sur le bouton Z, ça fonctionnera pas. Parce qu'il y a tellement de tournants. Voilà. Maintenant, nouvelle map. Donc, nouvelle partition. Parce que j'ai fait deux réseaux différents. Donc, ça permet d'avoir un truc plus propre. Donc là, il y a le réseau de l'autre côté qui est désactivé. Donc, du coup, voilà. Donc là, la partition qu'on n'a pas vue. Oh, c'est magnifique. Regarde un peu. Oh, on voit le drapeau. Oh, il y a un petit beacon là-bas. Hop. Donc là, c'est magnifique quand même, c'est décoré. Franchement, quand on voit la qualité des bâtiments, on a vraiment de la qualité. Franchement. C'est quand même impressionnant quand même. Hein. Là, c'est vraiment style, vraiment, regardez, hein, Medical Centre. C'est magnifique, ouais, surtout les... Là. Allez, c'est vraiment de qualité, c'est... Voilà. C'est vraiment beau, regardez. C'est vraiment joli, c'est vraiment épuré. Donc là, on va continuer la petite visite. Hein. Toujours pareil, on est toujours au même endroit. Non, voilà. Donc là, on est pour un endroit. Donc là, on voit très bien. Regardez, c'est vraiment beau quand même, les endroits. Donc là, hop, encore les trucs. Hein. Donc là, on voit très bien. Donc là, c'est plutôt les bâtiments assez bas. Oh, regardez comme c'est beau en face. On descend. Youhou, regardez comme c'est beau en face. Donc là, paf, on continue. Donc des bâtiments typiquement. Bon, bien sûr, il n'y a pas l'intérieur de fait. Hein, il ne faut pas non plus pousser Popol. Mais allez, donc c'est pareil. Il y a plusieurs épées comme ça qui sont construites. Donc voilà, donc, un petit peu le truc. Donc là, on a bientôt fini, je pense. On a bientôt fini, je crois, ouais. Non, là, donc on continue. Donc à. Voilà. Donc là, les petits bâtiments des sympatoches. Voilà, donc encore, 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 et on continue. Là, le petit virage. Voilà. Donc là, paf, un bâtiment immense, c'est impressionnant. Donc là, on descend.
Voilà, nous allons bientôt avoir fini nos courses. Franchement, c'est impressionnant quand même. Donc voilà, donc là, hop, petite visite. Là, on, par contre, on voit les murs. C'est un peu dommage. Mais on voit très bien. On a fait vraiment un sacré détour quand même. Et donc là, du coup, ouais, du coup, on va arriver bientôt à la fin. Là. Voilà, allez un peu. Bon, voilà la gare centrale. Voilà. Centrale station. Voilà, donc on termine en beauté avec une petite montée. Là, allez, c'est beau. Voilà, allez, hop, on descend la petite map. Voilà. Et on arrive en gare où qu'on était arrivé. C'est impressionnant quand même de voir la map. Voilà, donc ça, je reprends ça. Il se prouche, lampadaire. Voilà, donc là, on va monter dans le... Donc là, non, c'est pas là, il faut aller. Il faut aller où? Ah, je me rappelle plus. Ah, faut que je regarde, faut que je monte. Je crois que c'est... Non, c'est pas là. Non. Bon, alors on sait quoi. On sait ce que je vais faire. Voilà. Voilà, tac. Voilà, et là, on va prendre le même figure. Voilà, donc là, c'est pas ici. C'est ici que je dois aller. Voilà, donc là, on va mettre le petit train ici. Et on va pouvoir reprendre le réseau direct. Donc là, je ne m'en rappelle plus. De toute façon, on peut commencer par n'importe quel endroit. Voilà. Et on va pouvoir... Ouais, on va pouvoir commencer directement par là. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, c'est pareil. On va refaire un autre réseau. Franchement, c'est magnifique quand même de voir un peu. Regardez comment c'est gros là-haut. Là, donc là, voilà, c'est magnifique quand même. Franchement, c'est bien parce que j'ai pas besoin de me déplacer et m'embêter. On voit directement les bâtiments. Bon, là, ça va être vraiment un petit quartier, on va dire... un petit quartier qui a pas grand-chose, mais bon, vous allez voir certains endroits. Non, du coup, là, donc là, le bâtiment n'est pas fini, construit. Donc là, on le voit très bien, voilà. Donc là, une gare. Comme je vous disais, encore un train qui a été posé comme ça à l'arrache. Donc, du coup, là, donc, franchement, regardez, c'est vraiment beau, construit, vraiment avec amour. Donc, voilà, donc là, on va passer par là. Donc là, c'est plus, on va dire, campagnard sortie de commune. Voilà, donc on a vraiment pas mal de choses. Mais voilà, donc, par contre, là, il y a beaucoup de comment, le machin. Donc là, on le voit très bien. Il y a un petit peu de bâtiment dans le fond. Donc là, on a le quartier de la fête foraine là-bas. On sera peut-être un petit grand 8. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Bon, par contre, on a un bâtiment là-bas qui est immense. Mais franchement, ça fait plaisir de voir ça. Donc là, bien sûr, bon, voilà, donc là, on sort de la commune. Bon. Petite commune de 20 habitants. Oh, je sais pas pourquoi j'ai une commune alors que c'est aussi grand que Paris. Aussi grand que Reims, quand même, je pense. Aussi grand que Reims. Alors, le temps qu'on fait comme ça, en fait, moi, je vais vous expliquer. Regardez, regardez le bel échangeur qui a de qualité, là. Oh là là, c'est tellement beau. Bon, là, par contre, on va arriver à un endroit, on va faire un petit aussi, un petit truc des familles. Donc là, si ça veut bien, voilà. Donc, on fait ça. Tac, 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 tac. Voilà, donc c'est pareil, là, on voit, regardez comment c'est beau, l'échangeur. Bon, là, on le voit pas beaucoup, il y a les murs. Donc là, c'est pareil, on dirait un rail qui a été vraiment mis à l'arrache. Donc là, du coup, c'est tellement beau, regardez, c'est protégé. C'est vraiment bien fait quand même. Donc là, on risque pas de se faire bouffer par les zombies. Tout est propre. Tout est impeccable. Donc là, hop, on redescend là. Paf. Franchement, regardez un peu la qualité du truc. Hein. Donc c'est pareil, je trouve aussi un accéléré aussi là. Pour le retour jusqu'à un moment qu'il faut changer. Voilà. Voilà, c'est trop beau, de qualité. Voilà. Allez, je prouche lampadaire. Voilà. Ah, par contre, il y a toujours des purées de cochons qui me pètent les tronches. Allez, surtout, ne te mets pas en plein milieu parce que tu vas faire écraser. Allez, l'architecture du pont, c'est, j'ai pas fait gaffe. Allez, l'architecture du pont, c'est impressionnant. Le mec, il a quand même fait pas mal de trucs intéressants. Franchement, regardez, bon là, on est vraiment dans la petite commune, vraiment. On est vraiment perdu très loin dans le truc. Mais franchement, ça vaut le coup parce qu'on voit vraiment le truc vraiment bien construit, hein. Le mec, il a passé des heures de fou là-dessus, ça doit être impressionnant. Donc du coup, là, c'est vraiment un petit endroit
Voilà, pour visiter. Donc on voit encore un autre échangeur. Donc là par contre c'est un échangeur un peu de terminaison. Donc là on le voit très bien. Donc là sortie, machin, ouais c'est ça. Mais par contre il y a un truc que qui me paraît bizarre, c'est la version... comment que le truc il est mis. Ah oui déjà, merde. Bon, bah, on va pouvoir se faire un petit accéléré encore. Chenille Prouche. Là maintenant on va tout droit. Donc là c'est pareil, on continue. Donc là par contre, donc là tout à l'heure on était en train de monter. Donc là on était tout à l'heure l'autre côté. Donc là on va aller tout droit. Non, je me rappelle plus où est-ce qu'on passe, mais je sais qu'on voit certaines gares. Donc là voilà, pareil, on voit la qualité. La qualité exceptionnelle. Donc là c'est pareil, on va refaire un petit passage de l'autre côté d'un autre réseau. Donc là, bon, ça voilà, on était de l'autre côté tout à l'heure, là on voit pas. Donc là, c'est pareil, hein, allez. Vraiment, c'est impressionnant la quantité de trucs. Les petits gru-gru qui sont en train de construire. Ah, plaza. Donc là, c'est impressionnant quand même de voir la quantité de trucs qui a été fait. Alors là, Pepsi, lol. Franchement, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà? Alors je crois... Ah oui, oh là là. Je ferai pareil un accéléré dans cet endroit-là parce que sinon c'est le bordel. Donc voilà. Donc là. Voilà, donc la qualité exceptionnelle. Les docks là-bas. Voilà, donc là paf, paf, paf. Et là... Bon là par contre... Voilà, donc là c'est la flotte. Ah, un joli pont là-bas aussi. Ah, le fameux ballon. Voilà. Donc le ballon qui est indirigeable. Ben, je sais plus comment il s'appelle, c'est un ballon comme ça. Ah, ça y est. Ah, on va quasiment arriver à l'autre bout. Et il y aura plus, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Plus de machin. Plus d'essence. Alors, on va avancer un petit peu. Ah, ah. En fait, le problème, c'est que la redstone, c'est hyper chiant parce qu'on arrive à un certain moment, il n'y a plus de batterie. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, on arrive quasiment à l'autre bout. Là, oh, ça avance pas vite. Ah, oh, un petit peu d'éclairage. D'accélération. C'est parti, c'est parti. Ah, oh, là, c'est parti. Oh là là. Hop là. Donc là, on repart. Donc là, paf. Donc là. Oh, allez, le beau bâtiment là-haut. Donc là, paf. Donc là, paf. Hop là, un petit peu de latence. Ah, c'est beau quand même, allez. Donc là, paf, quartier là. C'est pas le quartier chinois là-bas? Donc là, pareil, quantité impressionnante de bâtiments. C'est immense, hein. De la rue. Oh, le bâtiment de dingue. Oh, il y a un petit peu de latence, mais ça va, c'est pardonnable. Voilà. Donc là, paf, je ne sais plus où que ça va par contre là. Ah, oui, ça y est. Ça va dans le souterrain, ça fait un peu style métro. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, c'est impressionnant quand même. Bon, l'autre côté, il n'y a rien. C'est vide. Mais franchement, là, c'est impressionnant quand on voit ça. Voilà. Et donc là, on va descendre dans le souterrain. Un peu comme si... En fait, je sais pas si c'est réellement des... Alors, par contre, on était l'autre côté tout à l'heure. Non, je pense pas qu'on était l'autre côté. Si, on était l'autre côté. Donc là, on va prendre l'autre côté, on va redescendre. Donc je pense que c'est pareil, à cet endroit-là, il y avait la suite des événements, mais je pense que ça n'a pas été fait. Et donc du coup, là, on a vraiment la partition de malade. Donc là, par contre, si on voit en souterrain, donc là, il y a des partitions de l'autre côté qui est en machin. Donc là, par contre, c'est bizarre, on a pas la cave. Ah, c'est bien ça. J'ai modifié le truc. Donc là du coup là on est en train de regarder en dessous là. Ah donc après voilà. Donc là on arrive dans une gare. Ah non là c'est dans un passage plutôt. Voilà, donc là on va arriver dans le tunnel. Donc là on est déjà dans le tunnel, je suis con. Voilà, donc là paf, on arrive au bout.
Un peu comme la SNCM, on arrive au bout du tunnel. Voilà. Et là, on va faire demi-tour, droite, cling cling. Voilà. Et donc maintenant, on fait demi-tour. A few moments later. Ah, nickel. Donc du coup, on va pouvoir faire la suite. Ça fait plaisir parce que franchement, là, on a vu pas mal de choses. Alors, franchement, la petite balade. J'espère que ça vous a plu, la petite balade. Hein. Oh, il y a mon petit doudou. Oh. Oh. Coucou, mon doudou. Il s'en bat royalement les couilles. Ça va, mon doudou. Fais gaffe, il va commencer à faire jour, mon enfant. Tu vas pas tarder à le faire. Tu vas te faire mal, par contre. Alors du coup, là, on va pouvoir passer au meilleur, parce que j'ai vu, je m'en plais plus, la fête foraine. Alors on va y aller, parce que là, franchement, ça vaut le coup. Non, comme je vous disais, franchement, j'espère que la petite balade... Hop là, sur le côté. Où est-ce qu'elle est? Alors, il y a le Porsche qui est là, moi j'appelle ça un Porsche. C'est tellement beau. Waouh, on voit le laser, donc là, on voit le laser, donc c'est pas tardé dans le coin. Je sais même pas c'est quoi, mais c'est joli. Ah, oh, tiens, son copain. Coupin. Ah, oh, chien, il se couche. Bon, tiens, on va faire comme si on était en RP. Hop là. Youpi, on va la fête foraine. Ah non, par contre, on va prendre là. Par contre, j'avais pas fait gaffe s'il y avait un passage. C'est pas grave, je fais ça. Bon, j'ai fait à l'arrache. Hein. Là. Ah, c'est joli. Ah, joli. Ah, la petite roue. Hein. Ah. Ah, et puis en plus, c'est bien. Il y a la petite manège, je m'en plais plus. Alors, les petites voies ferrées. Oups là. Allez, pour se taper des barres. Hein, la fête. Bon, par contre, ça a été le vrai bordel pour suivre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Attention. Là, attention, là, allez, c'est parti. Clac, 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 apéro, apéro. Par contre, là, mon dieu, là, la chaîne merde de merde. C'est trop dur. Allez, un petit chouïa, un petit chouïa, un petit chouïa, un petit chouïa, voilà. What the fuck. Là, un petit coup de redstone là, un petit coup de redstone. Allez, voilà, j'ai failli faire demi-tour. What the fuck. Trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Hop là. Ah, chenille, je proche. Voilà. Ah, trop beau. Tac. Ah, par contre, je vais faire ça, parce que sinon, je retombe en arrière. C'est de le bordel. La même figure. Ah, trop bon. On va faire comme ça. Voilà. J'ai le mal de mer. Voilà. Ah, je proche. On est déjà arrivé à la fin. Attention. Oh, c'était trop beau. Il fallait le faire. Voilà. Je récupère mon petit wagonnet. Voilà. Je proche lampadaire. Ouh là là. Donc là, allez, le carrousel, c'est con qu'il est pas mal. Il tombe pas. Ah! C'est quoi ça? Ah merde, je crois qu'il allait tourner. Même pas en rêve. Oh, c'est trop beau quand même. Franchement, c'est magnifique. Alors, du coup, peux-tu nous montrer quand même la map? Ah bah, oui. Oui, ça, je m'en doute. Alors, du coup, voilà. Ah, regardez comme c'est trop beau de toute beauté. Regardez, ça, bon, ça va jusque-là. Hein. Faut pas non plus croire que ça fait des milliards de kilomètres. Mais c'est de toute beauté, regardez, ça va très 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 loin, ça va très très loin. Bon, là la route n'est pas encore finie, mais on voit quand même. Bon, là il y a les forteresses qui sont pas finies, là il y a une immense église, là il y a le pont, pareil, donc là c'est pareil, il y a des portions qui sont faites. Donc là on a fait une bonne partie de la ville, on a été dans ce coin-là, on n'a pas été dans ce coin-là par contre, c'est un endroit par contre qui n'a pas été fait. Mais on a été vraiment partout parce qu'on a fait vraiment toutes les voies ferrées. Donc là, on a le quartier là.
Donc là, prendre un petit quartier pavillonnaire. On a le quartier où il y a le ballon. Donc là, tout ce quartier, on l'a fait. Là, on a été jusqu'à là. Donc ça, c'est vraiment tout fait. On a un stade, on a une espèce de bâtiment différent. Bon, ça, c'est jamais construit. Donc là, pareil, on a une autoroute qui, voilà, avec les voies ferrées, les lignes électriques. On a encore des lignes d'autoroute là. Donc là, on a un petit quartier des familles que j'ai découvert par pur hasard. Donc là, après, nous avons la centrale électrique avec des petites éoliennes. On a, voilà, la maison, elle est là. Donc là, paf, voilà, on a tout ça. On a aussi un autre quartier qui va là, dans un endroit paumé. Voilà, bon, là, c'est la fin de la map. Donc là, un petit quartier différent. Voilà, on a vraiment, donc là, le barrage jusqu'à un tracé qui est là. Voilà, franchement, c'est une belle map. Franchement, ils ont fait ça proprement. Donc, du coup, on va pouvoir se mettre à notre point d'attache. Voilà, téléporté. Voilà, normalement, ça va charger. Ah ah. Ah, mon Dieu, magnifique. Ah, mon Dieu. Voilà. Un problème de bug avec le beau minerai de palladium. Ah, franchement, c'est magnifique quand même de voir ça. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Voilà. Donc, on s'en met où qu'on était au début de la vidéo. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc, bien sûr, en description, le lien du téléchargement ainsi que la description de la map. Ça fait plaisir. Franchement, j'espère que ça vous a plu parce qu'on a découvert vraiment pas mal. On a découvert le dernier coup épernais, là on découvre ça, c'est très intéressant. Donc du coup, on va pouvoir se laisser, ça me fait 42 minutes de rush, donc je pense que ça va faire une petite vidéo. Donc du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme des bien entendu, bah... Fais pas faux pour la belle map, hein, je kiffe, hein, fais pas faux.